Êtes-vous prêt à faire partie d'un partenariat gagnant qui propulsera votre succès vers de nouveaux sommets? Rejoignez dès aujourd'hui le Club 500 de Jean Ernst Leadership et découvrez comment soutenir financièrement notre émission tout en bénéficiant d'avantages exceptionnels. Le Club 500 de Jean Ernst Leadership va bien au-delà d'un simple club. C'est une occasion unique de soutenir une émission inspirante qui forme aujourd'hui les leaders de demain. En devenant membre du club et en choisissant votre niveau d'adhésion, vous contribuerez directement au financement de l'émission Jean Ernst Leadership. En soutenant financièrement notre émission, vous accédez à de nombreux avantages exclusifs. Vous bénéficierez d'un accès privilégié à des séances de formation, des conférences inspirantes et des ressources de développement personnel de qualité. De plus, vous serez invité à des événements spéciaux réservés aux membres où vous pourrez interagir avec des professionnels accomplis et des leaders d'exception. Votre adhésion au Club 500 de Jean Ernst Leadership est un investissement précieux dans votre propre croissance et celle des futurs leaders. L'inscription est simple et rapide. Rendez-vous sur notre site web pour découvrir les différents niveaux d'adhésion disponibles. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins et rejoignez-nous dès aujourd'hui pour faire partie de cette communauté engagée de leaders. Ne manquez pas cette occasion unique de contribuer à une cause qui compte. Rejoignez le Club 500 de Jean Ernst Leadership et ensemble, créons un monde où le leadership et l'inspiration sont accessibles à tous. Comment il est là? Comment visage la fête finie comme ça? Moi, fin pelle dit bouche dans sa map manger dans sa map boire dans pays ça. M'a posé tête mon question jour qu'il est. M'a carré vivre belle expérience boisson qui quittait bon goût dans bouche moi. Rete la zone même. Tu crois dit comme ça? Est-ce que tu connais on carré tourner sur une bou bouche ou encore? Pas comme dire nous même. La parole t'a fait parler. Non. Parole tête droite. M'a parlé de bénédiction Christmas. Bon crémage qui c'est exactement produit haïtien. Parfait, oui. Bien bagage en bois, ici. On a rien, hein? Tout pas qu'on connaît ça. Bénédiction crémage là pour toute occasion. Mangage, communion, baptême, action de grâce. Ça, c'est intéressant et toute qualité. Coucouillé, avana, chocolat, mango, omrété, tamarin, café. Brocoli, grenadine et puis gingembre. Qui ça? Ça, entendez-vous. Quel que soit côté où il est, la caribe joint nous. Si c'est comme ça, comment faire comme une femme, non? Pour ne pas rater l'opportunité, sauver le bouche-moi. Ça, entendez-vous. Bénédiction crémasse, la boisson des connaisseurs. Pour passer commande où? Pour carrer dans 857-615-2062. Ou bien vous pouvez écrire nous dans l'adresse courriel nous, copilbenita@commercial.gmail.com ou bien benedictioncremas.com. Bénédiction Crémas, la boisson des connaisseurs. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis Francine Basile, fan inconditionnelle de Jean Ernst Leadership. Vous voulez savoir ce que cette émission a apporté dans ma vie? Eh bien, elle m'a permis de me repositionner et m'a donné les outils adéquats en tant que leader dans ma vie professionnelle. Et en ce qui concerne ma vie personnelle, j'ai acquis les savoirs, faire et être pour avancer sereinement. Et vous, qu'attendez-vous? Bien, rejoignez-nous chaque dimanche entre 8h et 9h. Surtout, ne la ratez pas. Mmh.
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de participer à l'émission Jean Ernst Leadership. Merci de nous être fidèles. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir de savoir que vous nous suivez un peu partout. Je voudrais prendre le temps de saluer nos amis qui sont déjà branchés. Walcoté Boston est le tout dernier à se joindre à nous ce soir. Nous voulons saluer Gloria. Gloria qui nous suit régulièrement. Je salue également. Je salue Woodyville qui a déjà fait mention de sa participation dans le chat. Madame Dumaud Mervilus, bonsoir. Je salue également Chérisson Benson qui fut le premier à participer à cette émission. Si vous nous rejoignez à peine, sachez que vous suivez l'émission Jean Ernst Leadership. Et nous sommes en direct chaque dimanche à 20h et notre travail consiste à vous aider à développer votre leadership. D'ailleurs, notre slogan n'est autre que « Notre priorité est votre succès en leadership ». Je suis Jean-Ernst Saint-Just, le présentateur de cette émission. Et il arrive que certaines fois, je me suis fait aider par d'autres collaborateurs, par d'autres collaboratrices. Et c'est quand même bien de savoir que nous sommes bien entourés. Nous avons une équipe dynamique qui nous encourage et qui se met à nos côtés pour nous aider à aller de l'avant. Salutations à Madame Immaculée Jeune et à Emmanuel Saint-Just, notre cousin, qui nous suivent depuis Haïti. Ce soir, nous avons une émission très spéciale à vous présenter. On est en fin d'année. Et c'est quand même l'une des périodes, je dirais, les plus difficiles pour plusieurs raisons. Pour ceux qui vivent en Haïti, nous savons que l'insécurité fait rage. Le pays fait face à tout un ensemble de difficultés d'ordre socio-économique. Nous comprenons que ce n'est pas facile. Il y a quand même une certaine résilience qui caractérise les Haïtiens, en dépit du fait que les choses vont mal, mais l'Haïtien est par nature courageux, l'Haïtien est par nature résistant. Nous avons cette résilience qui nous permet de faire face aux situations problématiques de la vie. Je voulais m'arrêter pour saluer notre ami Millard Célange. Millard, ça fait longtemps. On ne sait pas parler. Mia, elle a déjà participé à l'émission, elle a pris la parole depuis, je pense que Mia était en Martinique lorsque je l'ai invitée. Merci Mia d'être avec nous, merci et bon retour. Nous avons une équipe, certaines fois, les personnes sont occupées pour une raison ou pour une autre, mais quand le moment est venu de se joindre à nous, et donc elle n'hésite surtout pas à être branchée pour pouvoir nous suivre. Alors, je disais que nous avons une belle équipe. Lubenson, merci Lubenson qui est avec nous. Bonsoir à toi. Alors, je disais que les Haïtiens, ce sont des gens très, très courageux, en dépit du fait que le pays fait face à des problèmes, les Haïtiens résistent. Et en cette fin d'année, il y a quand même beaucoup de difficultés. Il y a l'insécurité, il y a le kidnapping, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a le stress qui caractérise les Haïtiens. Mais il y a aussi le fait que nous devons surmonter les difficultés. Il est vrai que les choses vont mal, mais cela ne peut pas nous empêcher de réfléchir ou de penser. Vous connaissez quand même cette citation de René Descartes, « Je pense, donc je suis ». L'inverse est aussi vrai. Donc, si je ne pense pas, c'est comme si je n'existe pas. Vous comprenez? Donc, je pense, donc je suis. Et c'est dans cet objectif, dans cet objectif que nous voulons vous rappeler que nous avons une responsabilité de prendre notre destinée en main. Que vous soyez une personne de foi, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont à l'église et qui servent le Seigneur. Moi également, je suis une personne de foi. J'ai quand même la conviction que Dieu, il est fidèle, il est merveilleux et il joue un rôle important dans ma vie. Mais il faut comprendre aussi que nous devons planifier notre vie. Ça, c'est très, très important. Parce que la personne que nous sommes, ce que nous sommes aujourd'hui, est le résultat des décisions que nous avions prises un an, deux ans, trois ans en arrière. Et la personne que nous deviendrons dans 10 ans, dans 15 ans, sera le résultat des décisions que nous allons prendre aujourd'hui ou des décisions que nous prenons aujourd'hui. Tout ceci pour vous montrer que nous devons prendre le temps de réfléchir sur notre destinée.
Merci à Benita, Benita qui est quand même qui est quand même une auditrice, une internaute passée de présentation. Elle dirige Bénédiction Crémas et depuis quelque temps elle a créé cette entreprise et elle se bat pour que cette entreprise puisse prendre son envol. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis, Benita, c'est la directrice PDG de Bénédiction Crémas. Il n'y a pas que le Crémas, il y a d'autres produits qui sont offerts par cette entreprise dans l'intention de pouvoir servir sa génération. Alors, qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui? Nous devons dire que nous sommes en fin d'année et c'est ce que nous faisons habituellement depuis que l'émission a pris naissance. À chaque fin d'année, nous organisons des émissions pour vous inspirer, pour vous rappeler qu'il y a une nouvelle année qui s'en vient. Nous devons profiter de cette fin d'année, tandis que 2024 est en route pour planifier l'année prochaine. C'est très, très important. J'ai noté cette citation de Peter Drucker. Peter Drucker, c'est l'un des grands noms du leadership. Il est le père du leadership corporatif. Voici ce que nous dit, le meilleur moyen de prédire l'avenir est de le créer. Le meilleur moyen de prédire l'avenir est de le créer. Que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, si vous ne planifiez pas votre vie, vous allez être foutu dans les prochaines années. En dépit du fait que vous planifiez, il y a quand même des surprises. Il y a des choses que nous planifions, mais qui ne se réalisent pas. Il y a des projets que nous avons qui ne se réalisent pas. Mais si nous ne planifions pas, si nous ne prenons pas des décisions, je vous avoue que les choses deviendront beaucoup plus difficiles telles qu'est-ce que la manière dont elles sont aujourd'hui. Tout ceci pour vous inciter, pour vous inspirer, pour vous encourager à planifier votre vie. Alors, à l'émission précédente, nous avions parlé des résolutions. Nous avions intitulé l'émission précédente résolution de leadership pour une année 2024 réussie. Et nous avions dit que les décisions, ce sont les engagements que nous prenons. Ce sont les sacrifices que nous voulons consentir pour aller de l'avant. Et nous avions aussi dit que les résolutions, certaines fois, nous les écrivons. Nous élaborons tout un ensemble de choses, nous écrivons tout un ensemble d'objectifs en début d'année. Nous sommes d'accord que les objectifs que nous fixons fort souvent ne sont pas de la majeure partie ou bien à 100% réalisables. C'est-à-dire, certaines fois, nous fixons des objectifs, mais il y a certaines contraintes qui arrivent et qui font en sorte que les objectifs ne sont pas tous atteints. Mais c'est mieux de planifier. Donc, les résolutions nous aident à avoir quand même un certain focus. Les résolutions nous aident à avoir certaines directives, à se dire, voici où est-ce que je veux aller, voici ce que je veux faire, voici les décisions que je veux prendre. Cela nous permet de nous focaliser. Et lorsque nous ne prenons pas de résolution, c'est sûr que nous allons avoir beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si Benita est d'accord avec moi, je ne sais pas si Lubenson il est d'accord. Et Immacula, Mia, Emmanuela, Walco et tous ceux qui sont avec nous, Dumoud ainsi que Gloria. Si vous êtes d'accord que les résolutions jouent un rôle fondamental dans notre vie, j'aimerais que vous puissiez l'exprimer dans le chat. Est-ce que vous êtes d'accord ou bien est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Si vous avez un témoignage qui peut nous inspirer, peut-être une résolution que vous aviez prise 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans de cela, ce serait mieux de pouvoir partager cette expérience avec nous. Cela pourrait nous inspirer, cela pourrait inspirer ceux qui suivent l'émission à comprendre que nous devons prendre des décisions, nous devons fixer des résolutions parce que sinon, nous allons être foutus. En cette fin d'année, les gens, ils sont ça et là, ils courent ça et là. Ils achètent peut-être de nouveaux produits. Il y en a qui décident d'acheter une nouvelle voiture.
Il y en a qui décident d'acheter une nouvelle maison. Il y en a qui décident peut-être de prendre de nouvelles décisions. Mais il n'y a rien de mauvais là-dedans. Il n'y a rien de mauvais. Mais il faut aussi avoir cette vision futuriste des choses. Il faut quand même avoir cette vision prospectiviste des choses. Il faut se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez prendre comme résolution pour votre vie personnelle? Merci à Dumoy qui nous dit 100% vrai. Qu'est-ce que vous voulez prendre comme résolution pour votre famille? Qu'est-ce que vous voulez prendre comme résolution pour votre enfant? Y a-t-il des décisions que vous pourriez prendre aujourd'hui et qui seraient bénéfiques pour votre famille dans les 3 prochaines années, dans les 5 prochaines années? Je l'avais dit la semaine dernière, je voudrais le répéter à nouveau. Peut-être que vous voulez créer une entreprise. Vous voulez mettre sur pied une micro-entreprise qui deviendra dans les 10 prochaines années une grande entreprise. Mais cela quand même requiert de la planification. Cela requiert quand même une certaine vision. Qu'est-ce que vous pensez que vous devriez faire pour servir votre génération? Dans le texte que nous répétons souvent, Proverbe 29, verset 18, nous lisons que quand il n'y a pas de vision, le peuple a péri. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de révélation du futur, la vision, c'est la révélation du futur. Quand il n'y a pas de révélation du futur, les gens renoncent à la discipline personnelle, à la maîtrise de soi et à la discipline personnelle. C'est-à-dire, quand on n'a pas une vision pour sa vie, bien, qu'est-ce qui se passe? On vit n'importe comment. On n'est pas occupé. On peut être occupé, mais on n'est pas efficace. Le plus grand drame, le plus grand drame de la vie, j'écoutais un pasteur qui faisait mention de cette citation dans une prédication dimanche dernier. Il disait que la plus grande tragédie de la vie, c'est le fait d'être occupé sans être efficace. Je voudrais que vous notiez cette citation. La plus grande tragédie de la vie est le fait d'être occupé sans être efficace. Il y a beaucoup de mouvements. On bouge, mais au fait, il n'y a pas de résultat. Vous pouvez toujours bouger et ne pas avoir obtenu les résultats escomptés. Mais il faut bouger dans l'intention de vous améliorer, d'apporter des correctifs et de devenir la personne que vous voulez être dans votre vie. Alors, je vois que Benita a écrit dans le chat que la citation que je viens de citer l'incite à être plus motivé. Et Benita l'a mentionné dans le chat, je vais juste l'afficher à l'écran. Le meilleur moyen de prévenir l'avenir est de le créer. C'est une citation très forte. J'aimerais que vous partiez aujourd'hui, même si vous ne retenez rien de l'émission d'aujourd'hui, mais je voudrais que Immacula, je voudrais que Mia Stilange, Lubenson, Benita, Dumoud, je voudrais également que Emmanuel Saint-Just, mon cousin, Walcott et Boston, j'aimerais aussi que Gloria, ainsi que Chérisson Benson, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, j'aimerais que vous partiez avec cette citation en tête. Le meilleur moyen de prévenir l'avenir est de le créer. Maintenant, comment créer l'avenir? On crée l'avenir en le planifiant. On crée l'avenir en s'asseyant et en se disant, voici ce que je veux réaliser. Peu importe l'objectif que vous avez, vous asseyez et vous dites que je vais me lancer dans une activité. Je vais juste partager un témoignage avec vous. J'ai un ami, un très bon ami à moi qui vit au Québec. Son ami de vieille date qui m'a envoyé un message récemment, qui m'a appelé, qui m'a dit, Jean-Hens, j'ai l'intention de créer une entreprise. Ma femme m'en a parlé depuis un certain temps, mais j'étais un peu réticent, je ne voulais pas me lancer. Et il m'a dit que c'est une entreprise qui, qui, qui,
qui l'entreprise est, ce soit une entreprise qui vend des produits alimentaires. Donc, c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait créer une entreprise qui vend des produits alimentaires. Et quand il me l'a dit, je lui ai dit, mais c'est une très, très bonne idée. C'est une très, très bonne idée. Au moins, il a pris le temps de partager son intention avec moi. Vous savez que ce qui retient beaucoup de personnes et qui les empêche d'aller de l'avant, c'est que quand ils ont un objectif, quand ils ont quelque chose, quand ils ont une idée, quand ils ont une vision, ils se disent, bon, et je ne vais dire à personne de ce que j'ai en tête parce que je peux avoir des ennuis. On a des croyances limitantes qui nous empêchent d'aller de l'avant. Mais cet ami, il a voulu quand même me faire part de son idée. Je lui ai dit que c'est une très, très bonne idée. D'ailleurs, tu fais partie d'une communauté, tu as déjà un marché qui t'attend. C'est ce que je lui ai dit. Tu as déjà un marché qui t'attend. Et qu'est-ce qu'il veut vendre? Il veut vendre des produits alimentaires. Et il fait partie d'une assemblée, d'une église qui contient entre 150 et 200 personnes. Je lui ai dit, mon frère, tu as déjà un marché qui t'attend. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? Et là, j'étais à ses côtés pour le motiver. Et je lui ai formulé des conseils. On a choisi le nom. On a choisi le slogan. On a acheté le nom de domaine pour créer son site Internet. Et maintenant, l'entreprise est déjà lancée. Il commence déjà à vendre. Et d'ailleurs, je fais partie de sa clientèle. Je fais partie de sa clientèle. Pour l'encourager, je fais partie de sa clientèle. Et j'ai acheté des produits pour l'encourager. Vous comprenez? Donc, il a créé l'entreprise en un laps de temps. Pourquoi? Parce qu'il m'en a parlé et parce que j'étais là pour l'encourager. Et je lui ai dit des choses. Le Saint-Esprit m'a inspiré. J'ai bien dit, le Saint-Esprit m'a inspiré pour lui dire des choses qui l'ont motivé. Et déjà, l'entreprise est déjà lancée. Donc, quelle résolution pensez-vous que vous devriez prendre dans cette fin d'année pour que vous puissiez connaître une certaine percée dans votre vie? Donc, on parle de stratégie gagnante pour poursuivre le leadership triomphant en 2024, stratégie gagnante à poursuivre le leadership triomphant en 2024. Je dirais que quand on parle de leadership triomphant, il faut comprendre que c'est un leadership qui donne des résultats. Quand on parle du leadership triomphant, c'est un leadership qui donne des résultats. C'est un style de leadership qui conduit à des réussites notables. Un style de leadership qui conduit à des réussites notables. Et cela requiert du temps pour avoir des résultats extraordinaires en tant que leader. Un leader qui veut avoir de bons résultats doit être patient. Parce qu'on peut avoir une vision et pour la clarifier, cela peut nécessiter 10 ans, 20 ans d'apprentissage avant de savoir clairement ce qu'on veut faire, ce qu'on veut réaliser. C'est un leadership qui conduit également à des victoires significatives et un impact positif durable. Voilà comment nous pouvons définir la notion de leadership, le leadership triomphant. Et maintenant, puisque nous parlons de stratégie gagnante pour suivre le leadership triomphant en 2024, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions triompher dans notre leadership en 2024? Alors, cette question, j'aimerais la poser à Walco. Walco, Benita, Dumaud, Lubenson, Immacula, Mia, Emmanuel, Gloria, Cherison, qu'est-ce que vous pensez que vous devriez faire pour que votre leadership soit triomphant, pour que vous puissiez triompher dans votre leadership en 2024? Quelles sont les actions que vous devriez poser? Qu'est-ce que vous pensez que vous devriez faire pour triompher dans votre leadership en 2024? Alors, je vous attends, j'ai juste prendre une pause
Je vous reviens dans quelques instants. Dites-moi ce que vous pensez et puis on va revenir dans quelques instants pour la suite de l'émission. Si tout le monde n'a pas humilié ou pas oublié, pourquoi poter? Palagessa, c'est quand même une musique très inspirante et pour vous dire, pour vous inviter à ne pas lâcher. Palagessa, même si bagaille paraît difficile, mais pas lâcher, c'est continuer bataille, c'est continuer penser, c'est continuer créer, c'est continuer demander conseil, demander mon idée tout, qui va permettre que vous allez de l'avant, qui va permettre qu'on prenne les meilleures décisions pour être capable de changer vie.
et nous-mêmes avec nos gens leadership nous là pour nous inspirer ou mais des bagages que nous pas qu'à faire dans place ou pas qu'à faire tout bagage nous fait pigo nous fait pigo nous fait quand même un gros partie dans travail là parce que nous choisi inspirer ou et ça quand même demande temps pour que chaque dimanche nous là pour nous inspirer ou pour nous encourager ou parce que nous aimons en pile et nous voulons qu'on avance. Mais quand ça prend action, bon côté, ça prend décision bon côté, vous dites bon, eh bien, nouvelle année, ça là, faut que moi pense à l'autre gens, faut que moi réfléchis, faut que moi commence un projet. Je connais que la prend temps. Et c'est ça, en pile, le monde, je dis, on ne peut pas le faire. En pile, le monde ne peut pas le faire. Prend temps pour chita, pour travailler son projet, et puis pour que il commence ouais, petit à petit projet à avancer. Parce que au compte monde, au grand pile, le monde qui connaît, au grand pile, les amis, en pile, le monde qui apprécie, en pile, le monde qui veut avancer, mon bajan me dit, ok, ça, on le fait. Ou pas jamais on joue aller devant au bout du monde qui projet me gagner donc ça vient faire que il pas connait qui j'en pour d'autre donc c'est plus gros avantage pour capable gagner le fait que mon apprécie ou le fait que mon croit en ou le fait que mon est prêt pour attendre ou le fait que mon prêt pour travailler avec ou mais c'est comme ça toujours bon projet ou bon business soit lancé ou bon produit qu'on voulait lancer ou je ne mon aide parce que tout simplement est-ce qu'on est que et j'aime dire puis avantage puis boit tout gain c'est moun boit tout gain c'est moun parce que avec moun go gain capable faire commencer faire premier pas l'activité quoi planter mais qui soit pour qui soit voulez offrir qui ça qui passionne dans qui sens pour penser capable aider l'humanité et là encore c'est leadership on dit ça déjà c'est leadership parce que leadership c'est identifier un problème et puis aller chercher garder qui solution pour capable porter à problème ça alors par contre, même j'avais Benita qui mettait campé sous pied bénédiction Crémas, qui ça du mot de la tête li, qui ça lui mention de la tête li, m'connais que c'est pas facile, mais en mettant de côté toute excuse, en commençant, ouais, qui j'en capable penser, mettons, pour j'aime pas qu'on a qui domaine lié, mais quand même réfléchir, ça capable porter en pile. Alors, et du mot de répondre à une question que me déposait tout à l'heure, hein, t'as parlé de qui ça nous devait faire pour arriver en leadership triomphant en 2024, et Dumont dit qu'il faut avoir une vision convaincante, cultiver un esprit de croissance, soyez un résolveur de problèmes. Excellent, et c'est très, très inspirant. Il faut avoir une vision convaincante. Il faut avoir une vision pour sa vie. Ça, c'est pour une bagaille que Dumont dit. La deuxième chose, excusez-moi, il faut cultiver un esprit de croissance. C'est-à-dire qu'il faut croître, il faut apprendre. Il faut apprendre. Parce que tant que nous n'apprenons pas, tant que nous ne réactualisons pas nos connaissances, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de bénéfices que nous n'allons pas avoir. Plus on connaît, plus on cherche information, eh bien c'est plus d'opportunités qu'à venir joindre nous. Plus on cherche information, c'est plus d'opportunités qu'à venir joindre nous. Des fois, juste une information qu'on gagne, que on n'a pas gagné, capable de faire que ou faire comme avec moun ça. Parce qu'on dispose de l'information que nous n'avons pas gagné et à partir de l'information ça, on résout un problème pour lui. On résout un problème pour nous. Donc, mais si on n'a pas d'information, donc plus on gagne de nouvelles informations que nous n'avons pas gagné, mais ça est capable de faire que nous n'avons pas un résolveur de problèmes pour lui. J'en vois que du maudit l'IA. Alors, c'est ça, nous avons besoin chaque jour de penser, nous avons besoin de réfléchir. Merci à Noldine qui dit nous merci, coach. Nous avons besoin de penser, nous avons besoin de réfléchir, nous avons besoin de prendre des décisions. Et c'est comme si que, et du monde était dans la tête, moi, parce que pour moi, je vais regarder en termes d'action que nous devons poser pour nous gagner un leadership triomphant en 2024, il faut avoir une vision claire. Pourquoi? Parce que avoir une vision claire est la boussole d'un leader. Avoir une vision claire est la boussole d'un leader. Lorsque leader a gagné une vision claire, c'est ça qui a guidé. Ou rappelez-vous, lorsque au 15e siècle, lors des grandes découvertes, eh bien, navigateur a besoin de boussole qui peut te guider. Qui ça qui boussole aujourd'hui? Est-ce qu'on connaît exactement qui ça voulait faire? Est-ce qu'on connaît exactement qui côté vous voulez aller? Est-ce qu'on connaît exactement dans qui sens vous capable d'aider? Merci à Francine qui nous a bien dit, coach. On connaît que Francine, son femme qui remet goumé en pile, son femme qui remet bataille en pile. Eh bien, la bataille, la goumé, la continuer à lutter. La continuer à lutter parce que, ma pour prendre un bail que je disais, je ne sais pas pour qui ça, je vais insister sur ça encore.
plus nous gagne information. Parce que gagne information que nous ne pouvons pas chercher qu'on y a là. Et ma gars, qu'on est, je dis à nous ne pouvons pas chercher qu'on est. Parce que nous n'avons pas gagné temps pour nous chercher. Quand nous cherchons information, ça a pour nous. Et puis, information, ça fait que nous faisons quoi avec nous. Je ne dis pas qu'on utilise pour manipuler, ce n'est pas ça que je dis. Mais de toute façon, gagne une compétence qu'on développe, une connaissance qu'on gagne dans le domaine, que nous ne pouvons pas chercher. D'ailleurs, je dis là, c'est le moment côté que moun ka apprend plus que tout temps qui t'est passé déjà. Parce que tellement gen information qui disponible. Mais moun pa gen temps, je dis, pour la apprendre, moun yo gen plus temps pour yo aller sous dans l'autre bagaille qui pas utile ou rien. Donc, ou même ou capable de chercher information ça et pour porter le bay moun, ou faire moun pio pour information ça pour balia. Parce que gen yon compétence que ou développer là-dedans. Donc, il faut avoir une vision claire pour sa vie et parce que la vision est la boussole du leader. Alors, gagné une citation que moi j'ai noté de Dennis Whitley qui dit que la vision est le point de départ de toute conquête. La vision est le point de départ de toute conquête. La vision est le point de départ de toute conquête. Amazon, je dis à arriver vini une plus grosse plateforme de commerce en ligne. Mais c'était juste, il commençait dans un garage. Mais c'est vision qui fait que je dis à Amazon est imbattable dans la question commerce en ligne, dans la question commerce électronique. Donc, qui vision gagne? Pas viser, petit viser grand, penser, réfléchir, écrire ça qui vient dans la tête ou, mettez-vous sous papier, et puis étape par étape, avancer, avancer, ou pas qu'on est qui côté que ça amène non Gloria. Pas qu'on est qui côté ça amène non Franstel. Pas qu'on est qui côté ça amène non Noldine. Pas qu'on est qui côté ça amène non Walco. Benita Dumaude. Benita Bénédiction Cremas. Pas qu'on est qui côté ça amène non. Donc penser Immaculée, penser Lui Benson, réfléchir. Chérisson Benson, penser, réfléchir. Pas qu'on est qui côté ça amène non. Donc faut nous penser, faut nous réfléchir. Je vais inviter nous partager direct là parce que je pense que le message ça, tu as dû gagner 24 000 personnes qui ont attendu les jeudi. Tu as dû gagner 24 000 personnes qui ont attendu, mais c'est dommage que les gens de l'émission ça, ils ne sont pas trop intéressés avec eux. Merci à Paul Daniel Benjamin qui dit bon Dieu béni nous. Merci à Paul qui s'est graphiste l'émission. Hein. Paul qui fait un prix sacrifice dans l'émission et qui est toujours là pour nous. Paul nous content avec toi. Pour exercer un leadership triomphant, il faut maintenir une confiance en soi solide, assurer le rôle de leader et de collaborateur et poursuivre un apprentissage continu en vue de s'améliorer chaque jour et atteindre des objectifs visés. Good job, Gloria. Bon, on est Gloria, mauvais. Gloria parlait de confiance en soi. Ce n'est pas quoi dans tête tout, les bagages pas j'aime café, ce n'est pas quoi dans tête. Ça, c'est un plus gros problème qu'un pile monde gagne parce que yo pas quoi dans tête. Yo n'y a quoi dans l'autre monde, mais yo pas quoi dans tête. Donc, si vous avez un problème, ça faut travailler en pile, parce que si vous n'avez pas de tout, il y a un pile d'accomplissement que vous n'êtes pas capable de faire. Parce que vous avez toujours des limitations, vous n'êtes toujours pas capable, et si vous avez même fait que vous êtes dans un monde qui a fait le show place, qui n'a jamais avancé. Bravo Gloria, il faut maintenir une confiance en soi solide. C'est-à-dire, vous avez besoin de connaître tout que vous êtes capable. Je peux le faire. Mais même si c'est un problème que je suis capable de dire que je résoudre, bon Dieu, de résoudre le problème, ça, je n'ai pas ce problème. C'est une question de peur, ça me bagaille. Moi, c'est un monde qui fonceur. Lorsque je me dis ma fond bagaille, je dois apprendre, je vais lutter jusqu'à ce que je réalise. Donc, ça, et moi, je suis en pile pour lui, qui a dit que, avec la grâce de Dieu, je bataille pour que je renforce cette conviction que je suis capable. D'ailleurs, je suis créé à l'image de Dieu, donc j'ai un potentiel qui est en moi et que je veux développer. Et comment pour me développer, lui, c'est apprendre continuellement. Bien content que Gloria a parlé de l'apprentissage continu. Apprendre continuellement. Préparez-nous. Nous pas d'accord. Aucun monde sur plateforme là à vivre de façon médiocre. Nous voulons des monde qui excellent. Nous voulons des monde qui bon. Nous voulons des monde qui forme tête. Nous voulons des monde qui toujours abgoumé pour excellence. Nous pas faire un lien comme si avec mon esprit de négligence. Nous voulons des gens qui sont compétents. Donc, si vous êtes un membre de plateforme, genre leadership, peu importe ce qu'on va faire, il faut faire bien. On doit toujours commencer le petit-petit,
mais toujours viser excellence. Depuis mon Noël, pour dire ah, depuis c'est Benita qui a fait bagarre, il n'est pas sérieux. Depuis c'est Paul qui a fait bagarre, il n'est pas sérieux. C'est comme ça, Rodoué World. Depuis c'est Franklin, depuis c'est Noldine qui a invité nos bagarres, mettre entre j'ai fermé parce que je connais Noldine pas dans la démagogie. Automatiquement, quand on commence par l'image, ça a de où, on commence à voir l'autre gens. Est-ce que vous avez ça me dit? Hein? Automatiquement, quand on commence par l'image, ça a de où, on commence à voir l'autre gens. Ah, depuis c'est Benzon qui a invité nos bagailles, depuis c'est Immacula qui a invité nos bagailles, il n'est pas capable de sérieux. Là, on commence à faire confiance, on commence à marcher dehors, ou commence à imposer en tant que leader parce que il y a des gens qui connaissent où et qui décident d'avancer avec vous. Alors, il faut avoir une vision claire parce que la vision est la boussole du leader. Il faut aussi communiquer de manière efficace. Il faut aussi communiquer de manière efficace. Pendant que nous parlons de communication efficace, nous avons rappelé à membre Club 500 yo, que y a un module sur communication qui est en préparé déjà. Moi, avec Coach Nadia, nous voyons plusieurs messages et ce groupe-là, nous avons un feedback. Nous. Pendant notre feedback, nous avons besoin qu'on ait une date qui est bon pour nous. Nous avons même proposé une date. Mais nous n'avions pas eu de réponse de votre part. Parce que nous croyons que communication, c'est une capacité qu'un leader a besoin de travailler en pile. C'est un domaine qu'un leader a besoin de travailler en pile. Parce que tout grand leader, toujours même dit ça là, il a été d'excellent communicateur. Ou pas qu'à dire son leader pour par contre communiquer. Comment pour connecter avec l'audience? Comment lorsqu'on prend la parole, on a envie d'en dire? Qui sort de dit pour nous sentir que yo retrouvé ou non? Et qui a dit communicateur ça moi mettant déli mon mettant déli ou qu'arrive en côté gagner sept monde qui prend la parole mais on leur parler tout monde en vit entendre tout monde senti que lorsque c'est monde ça qui parler il a parlé pendant toute journée mais monde ça qui ça le fait qui fait arriver dans niveau ça donc il y a des techniques qu'on besoin apprendre c'est ça fait communication jamais qui a dit communication is the key communication c'est clé travail communication c'est une technique ou besoin en termes de stratégie gagnante pour capable réussir et année 2024 là pour capable arriver finalement gagner un leadership qui triomphe. Je salue madame Viola Mondestin Jean-Baptiste qui est avec nous et il faut aussi s'appuyer sur des équipes solides ou besoin gagner de monde que ou capable compter sur eux. C'est très très important. Ou besoin de monde capable compter sur yo. Ou besoin de monde soit battre son projet, besoin 10 monde là, ou gen 10 monde capable contacter et puis monde ça va dire bon, moi avec vous. Sou gen ça, et bien ou gon trésor nan men. Ou besoin 5 monde pour lancer un projet, ou les 5 monde a besoin aide ou comment capable aider. Yo dwe ben moi avec vous. Sou ou capable arriver dans niveau ça, commencer comme ça, moi arriver loin parce que ou pas pour compte. C'est le ça ou pas commencer à entrer dans le leadership triomphant. Est-ce que c'est clair? Est-ce que nous avec moi? Est-ce que pour l'abdomi, est-ce que Viola fait que je dis ça, Viola, je ne parle pas de l'abdomi, Viola, je ne parle pas de Viola là. Mais est-ce que Gloria, Franklin, Nordine Lambert, est-ce que Dumaud, Walcote Boston, Benita, est-ce que Lubenson Louis XVI et Maillard, Millard Célange, et Jeune Immaculée, Emmanuel Saint-Just, Chérisson Benson, est-ce que nous là? Ben mon petit, yes, c'est nous avec moi, pour m'assurer que, je vais dire, je ne vais pas prêcher dans le désert. Après, je m'assure que je ne vais pas prêcher dans le désert. Bon, mon petit, yes, moi que Vladimir que il a longtemps, c'est ça. Et bon, Walcote dit nous là, on est là, coach. Benita même dit nous là. Bon, nous là, ça veut dire que Benita avait dit que lui-même, il est là, il est vraiment connecté. Moi, mes réponses, c'est Viola qui dit, moi, nous est là longtemps, oui. Et on est là, coach, Walcote. L'autre monde qui l'a eu, fait un point nous là, parce que nous avons vraiment aimé que ça rentre dans la tête. Nous. Excellent français. Nous avons aimé ça rentre dans la tête. Nous pas qu'on est dans quel niveau. Yes, je me dis non-stop, moi aimé ça. Nous pas qu'on est dans quel niveau, nous avons aimé ça dans la tête. Nous, mais moi, vraiment, tu as souhaité que moi, j'ai un leadership qui a bougé, qui a évolué, comme si il y a des projets, pour commencer à sentir que. Et que mon équipe n'a capable d'avancer, qui a fait des progrès, et que qui est capable, on joue témoigner que, je t'étends un conseil dans l'émission, je t'étends une parole que je t'ai dit, ou une parole que l'autre monde t'a dit, qui t'a inspiré au bureau d'avance. C'est ça qui a vraiment fait bien. C'est même jour-là, il y a Immacula qui t'a dit que il est allé dans une mission en province, et puis il voit que il y a une équipe qui a fait dans l'église à quel parrain, mais il voit que son problème de leadership,
et avec conseil que nous avons partagé dans l'émission, il rencontre plusieurs dirigeants de l'église et il a des conseils liés d'eux pour améliorer le problème. Ça, je suis vraiment content pour moi comment un membre d'équipe là, avec éléments que nous balions, éléments de leadership que nous partageons avec Lio, les arriver en côté, les voir des problèmes et les proposer des éléments de solution. Moi vraiment t'as ramené un témoignage, beaucoup senti aspect ça dans l'équipe là. Côté gain mon cap dit bon, mais telle décision me te prend parce que me dans des coachs ça te dit tel bagaille. Parce que me dans Jean-Michel dit tel bagaille. Parce que me dans des Français tel bagaille. Me t'as ramené que dynamique ça commence à développer dans fin d'année et même dans 2024 là, on commence à sentir que nous a parlé gain mon cap appliquer. Nous a parlé gain mon cap appliquer. Il faut avoir une vision claire parce que avoir une vision claire c'est la boussole d'un leader. Il faut travailler sur sa communication. Ça, c'est très, très important. Travailler sur communication, nous. Travailler sur communication, nous. Chercher des techniques. Regardez qui j'ai un grand communicateur. Yo communiquer. Regardez comment yo introduit. Regardez qui ça vous dit. Regardez qui stratégie vous fait pour faire transition. Regardez comment vous prenez pose. Donc, suivre un grand communicateur. Cherchons un modèle, par exemple. Gen pil moun c'est Barack Obama que yo suiv. Gen pil moun c'est Bill Clinton que yo suiv. Gen pil moun c'est Jacques Chirac. Gen pil moun c'est pa konnen, yo gen plusieurs modèles, yo gen plusieurs moun ki ap suiv, yo gen différents communicateurs que yo suiv jusqu'à ce que vinn gen propre style yo. Cherchons communicateur pou renmen et puis gardez comment li même li communiquer, comment le connecter à audience. Di m ta renmen travail aspect ça. Travail sur communication et moi te dit que au besoin appuyer sur des équipes solides. Chercher de monde qui est capable de compter sur vous. De monde sous bon projet qu'on a lancé qui a aidé au porter projet. Ou bien projet, vous n'avez pas porter projet pour compter. C'est ça qui fait, je ne sais pas que aucun monde dans le leadership gagne cette tendance égoïste. Je ne sais pas si mon affaire, parce que si je dis mon affaire, je dois rahim, etc. Il faut nous commencer à retirer la mentalité ça dans la tête. Nous, parce que pendant que vous ne pas mon affaire là, projet pour gagner un avec l'autre monde. Moun sa, c'est lui-même qui est capable de développer le projet. Parce que lui, il n'y a pas de ça. Ou pas, j'aime dire ça. Ou t'as fait le secret. Tandis que moun sa, capable de réponse pour. Moun sa, a un contact qui pourrait aider pour développer le projet. Je ne pas dire que vous prenez un micro pour marcher tout côté dans la rue pour dire que vous projet. C'est pas ça que je veux dire. Mais il faut avoir 4-5 moun, 2 moun de confiance. Moun nous connaît ou sûr qu'on éprouve qui remet. Et que sous mon projet, ou partager avec vous, qui est capable de ça lit extrêmement important. Par contre, si nous d'accord samedi, ma prendre ni et chaque ça nous est moins demandé nous pour nous ben mon yes là dans pour me sentir là c'est parce que me trouver le temps pertinent. Lorsqu'on projet, pas garder projet pour compte. M'pa mande pour un micro pour marcher à tout le monde pour dire qu'on a un projet. C'est pas ça mande. Mais au moins quelqu'un monde ou besoin expliquer ça. De mon nous connaît qui proche ou Dieu mais qui projet me gagner, nous ta me partager là avec vous. Et puis mon ça yo, le fait qu'on dit ça, yo là pour y a inspiré ou mandé au conseil et si possible mettez dans équipe ou parce que ou pas capable avancer ou compte ou besoin mon bon côté. Est-ce que vous pensez on d'accord samedi? Si on d'accord samedi, ben mon petit yes dans le chat, parce que c'est très, très important. Et il m'a pu là dit, m'a suivi, coach Ernst. Walco dit que vos conseils sont parfaits, coach. Merci beaucoup. Et en toute humilité, nous inspirons un peu, parce que bon, me dit que l'émission, ça que m'a fait, m'a obligé de préparer, parce que bon, que mon audience qui est solide, obligé de faire un pour moi, porter de nouvelles informations pour nous. Donc, nous, c'est raison d'être moi, parce que si pas de l'émission, hein, et t'es capable de toujours faire recherche, même pas ta continuellement chercher parce que faut que moi vienne avec de nouvelles informations pour nous capables kembe. Donc Benita moi dit yes et moi connais que ou son femme qui jam ou son femme qui solide et ben Benita et n'attend nous et surtout me connais que l'entreprise d'ala y a pile défi quoi pour relever travail fort pour aller de l'avant. Nous que équipe en solide yes en pile yes a tombé. Et nous gagnons Austin Lager qui dit amen. Et Franceline dit yes. Et Gloria Parfait, Benita yes. Walco de Boston yes.
gen moun ki nan émission ki pa jam ban nou ti message. Après ça qu'pa di coach Hans, m'te kon suivi émission, toujours suivi émission mais m'pa toujours aimé réagir. Si ou gen chance suivi émission, ban nou yon ti message pou nou saluer. Par exemple, Austin dit nous que ce sont des mots forts. Bon, on apprécie ça, Austin, et nous bien content qu'on fait ça. Et moins que Viola dit que parfait coach, merci Viola, merci. Donc, vraiment, t'as aimé que 2024 là, nous entrer la dernière avec un nouveau souffle, avec une nouvelle dynamique. Moi, je voulais des témoignages qu'a venu de Claude Bichotte. Claude Bichotte qui dit yes, merci à Claude Bichotte et Bichotte qui sont gros combattants depuis très 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 longtemps. Nous saluons Claude Bichotte. Donc, je voulais que gagner une nouvelle dynamique qu'a dégagé dans l'émission, hein, de monde qu'a suivre et puis qu'a prendre décision, qu'a avancer. J'aime dire, nous, à partager l'émission hein, pour que puisse mon groupe nous, yo, monde que nous connaissons, puis suivre l'émission hein, pour nous capables, bien plus, pour nous capables d'avancer. Alors, ma fois, un petit rappel rapide, parce que nous parlons infini, nous avons fini à 8 heures, et nous vraiment pas arrêté un peu le temps, bon, nous avons été environ 7 minutes, mais qui t'aime rappeler que vision est important. Vision est vraiment, vraiment, vraiment important. Mais mon ami qui dit mon ami frère, bon, monsieur c'est mentor moi lié, son monde qui inspire moi pile en pile, son monde que me qu'on a suivi depuis très longtemps comment il a avancé, comment il évolue. Et moi toujours recours quand j'étais comme mentor, comme mon grand frère c'est Justin Premier qui a suivi depuis États-Unis, qui dit mon ami frère, son monde qui inspire moi pile en pile et que moi capable de dire que nous reconnaître depuis des années. Donc, qui contribue en pile dans la vie, tout. En pile. Donc, on est vraiment content que Justin avec nous. Et Michael a dit que sujet a réactivé, non. Et bien, c'est ça. Nous avons besoin de sérum, L'antimone, les bien vomissements ou bien les diarrhées, il faut bien le sérum pour remonter. Nous comprenons que il y a un peu de monde qui baisse, motivation des fois, elle baisse, ou on doit avoir un bon jour, ils vont pour tout down. Mais des fois, il y a besoin de monde pour remonter. Et dans la fin dernière, là, émission que n'a proposé émission ça pour nous motiver pour avancer, pour nous comprendre que bon vision vraiment mon pas qu'à faire toute bagarre pour contre chercher de toi mon bon côté et autant de têtes, autant d'idées, chercher mon bon côté, demander au conseil si qui soit penser et puis voir que si voir que idée ba ou capable faire que quand tout est bloqué ou débloqué. Donc retirer mentalité ça que m'pa dit mon affaire parce que si me dit tel affaire. Non. Si c'est qu'on se repense ou pas, j'aime avancer parce que on pas fait toute bagaille pour contour. Donc, c'était que nous pensions à ça. Et puis, communication efficace, travailler sur communication, et c'est très, très important pour qu'on vienne pour communiquer. Même dans le business, qui vient pour communiquer à client, qui sont de dire client, comment vous connecter avec lui, qui message que vous devez aller, comment vous répondre à l'objection, tout ensemble d'idées. Et puis, vous avez besoin d'une équipe, vous avez besoin d'un monde solide pour capable de faire confiance pour avancer avec vous. Donc, pour 2024, là, en termes de stratégie gagnante, une chose que nous avons besoin de tous, c'est adaptabilité et résilience. Adaptabilité, vous voulez dire que nous prenons un petit recul pour nous garder la situation et puis pour nous avancer. Adaptabilité. C'est un coup, une équipe qui a joué football, par exemple. Une équipe qui a joué football, côté que nous, ça arrivait souvent dans le football, côté que une équipe a mené 2-0, par contre, si un Brésilien argentin là, nous sommes j'ai regardé un match, dans la Copa América, Argentine a mené 2-0, Brésil bat Argentine 3-2. Ça, c'était crise, mais quand même, c'est ça, LTI, parce que tu as adaptabilité. Donc, entraîneur brésilien, il prend un temps, il est en train de poser, il parle avec Joao, il fait adaptabilité, il réfléchit, il dit bon, mais qui j'en nous parle attaquer, et puis finalement, il gagne. Donc, adaptabilité, vous voulez dire que, ou besoin qu'on ait qui j'en pour faire face aux imprévus, et ou besoin faire preuve de résilience. Pendant que vous êtes leader, ce n'est pas tout un bagage pour aller bien, à bien difficulté. Donc, la vie, c'est vrai que vous êtes capable de des difficultés qui viennent, mais c'est qui ont réagi par rapport à vous-même. C'est comment vous réagissez par rapport à vous-même. Capable de gagner des difficultés, mais attitude, vous êtes capable de faire que le problème est venu, vous connaissez qui gens pour camper en face. Donc, nous allons finir, mais moi, ouais, que il y a plusieurs monde qui réagissent dans un petit temps pour remercier. Moi, ouais, que Austin dit que sans la vision, on ne peut pas réussir. Dans ce domaine de la vie courante, tout à fait, d'accord avec vous, Austin. Et vision, c'est guide nous, c'est boussole, nous allons aller de l'avant. Et Claude Bichotte dit, bon travail mon ami, merci mon ami Bichotte. Et puis Austin répliquait pour lui dire que
Et oui, la communication est la clé de la réussite. Oui, nous avons besoin d'apprendre à communiquer, communiquer de manière efficace, communiquer de manière intentionnelle, et puis demander mon feedback de communication. Par exemple, moi, un problème que j'ai, c'est que je parle vite. Bon, c'est quand même, on va bah, écrire la carrément longtemps, mais je pense que je me dépit mal. Je fais effort de temps en temps, mais des fois, on connaît, ça vient, mais et, moi, je comprends que je parle vite. Mais il y a plusieurs monde qui aident moi, qui fait que je dis, je suis capable plus ou moins. Le ma parle ou qu'attendez, plus ou moins ça m'a dit. Mais des fois, m'aller vite. C'est quand même mon habitude qui a depuis très longtemps. Même conscient du problème, ma travail de plus en plus pour moi, que j'ai un capable de porter amélioration. Émission, ça, nous capables de diffuser. Ça veut dire que, et il n'y a pas de dépasser une heure de temps. S'il dépasse une heure de temps, nous pas capable de diffuser. Donc, c'est ça que nous allons finir. Il y a 8 heures, nous avons presque à 59 minutes et nous avons environ 90 secondes pour l'émission finie. Donc, on a surtout passé une très, très bonne soirée. Pas oublier que semaine prochaine, on a là, on a gardé stratégie gagnante pour nouvelle année. Et on a invité à suivre nous semaine prochaine. Partager l'émission. On va peut-être saluer tout le monde. Merci à Jocelyn Saint-Goudin qui dit nous excellent. Jocelyn Saint-Goudin qui sont gros, gros combattants qui a vu Montréal et qui a été dans l'émission avec nous, qui a invité. Bref, KBFM, nous ensemble. Continuez, supportez Vision 1, hein, des pougons titans, pas trop occupés, suivez-nous parce que nous avons besoin de contributions pour nous avancer. Babri t'en salue, mais nous connaissons moins, mais nous en pile. Passons une très, très bonne soirée. Et puis, nous avons été en contact, nous saluer Ander Félix, et qui a suivi nous. Ander, nous comptons pour avec nous, et puis nous attendons une semaine prochaine, ainsi que tout le monde qui branche l'émission à soir. KBFM, à bientôt, et puis, nous pas plâcher.